Salut, vous êtes les bienvenus dans ce tutoriel. Abonnez-vous pour encourager le travail, merci. Je peux installer, vous avez ceci là-bas, que ce soit vert. Vous pouvez avoir des gigas. Et c'est très long. Et la taille. Là, on a commencé à avoir des données. Tout ça, c'est des fichiers doubles qui contiennent des données. Donc, ça peut être des MO, MB, gigas. Tiens, on a des gigas aussi. Ce tutoriel est la cinquième partie du série nettoyage, rendre votre machine plus rapide par vous-même. Et on fera des choses supplémentaires. On ne fera pas que ça dans ce tutoriel. On ne fera pas que nettoyer, analyser et autre chose. Donc, je vous prie de vous armer de patience et surtout comprendre et analyser. Et afin que vous sachiez comment bien vous organiser, vous en sortir avec votre machine si vous êtes débutant. Donc, bien sûr, si c'est compliqué, vous faites appel à un technicien. Ce tutoriel est à but éducatif. Partagez la vidéo à vos amis si elle peut aider. Aujourd'hui, on va voir minimum 10 outils. Après avoir fait tout ce que nous avions fait déjà, ce que je vous ai montré dans les parties précédentes, on va rajouter deux outils qui ne sont pas de Windows. Ce sont des logiciels qu'on va devoir télécharger sur le web. Bon, on reste dans l'open source. Hein. Bien sûr, les choses gratuites, vous allez dire oui, mais au final, lorsque c'est bien fait, ça peut être des choses payantes. Par exemple, ce tutoriel-là, si vous appelez un technicien pour le faire pour vous, vous allez devoir payer le technicien. De la maintenance, hein, c'est pas grand chose. On va voir la partie réseau, bien qu'il y a déjà la partie réseau sur la chaîne, mais là je dépose les bases au fur et à mesure. Là nous sommes sur la maintenance du système Windows. Ok, donc software. Maintenant la partie hardware, c'est là vraiment, c'est la base. Aussi il y a des tutoriels en hardware sur la chaîne. Donc là, lorsqu'on parle de l'hardware, ça parle même du matériel même, genre les disques durs, la mémoire de stockage de l'ordinateur, les mémoires RAM, le microprocesseur et votre carte mère en fait. Donc là qui détermine l'hardware. Maintenant là c'est la partie software. Donc on va aller déjà se connecter sur internet. Vous, si vous êtes déjà connecté, c'est ça. Parce que la partie hardware, ça détermine la puissance du matériel que vous avez. Si vous avez un disque dur de, par exemple, 10 Tera par exemple, ou 500 gigas, eh bien, c'est l'espace de stockage. Maintenant, si vous avez des barrettes mémoire à 1 giga, 10 gigas, 4 gigas, 8 gigas, 16 gigas, 32 gigas et 64 gigas, même 128 gigas installés sur votre carte mère. Ça aussi, ça va jouer sur la rapidité de votre ordinateur. Après, le nettoyage de cela, c'est un pinceau, un aspirateur qui voilà, des produits pour ça. Ça, c'est le nettoyage hardware. Mais là, c'est le nettoyage système. Maintenant, il faut que je me connecte avec ce réseau-là, que je vois pas. Le réseau Wi-Fi est dans le coin, là, je sais pas pourquoi. On va poursuivre. On peut venir lancer une commande dans l'invite des commandes de Windows.
vous tapez CMD, ça c'est l'ancien nom qui avait ce programme avant MS-DOS, après MS-DOS, là c'est l'invité commande. Vous le lancez en administrateur, ça aussi, lorsque vous avez fini de nettoyer, lorsque vous avez fini de faire les opérations que j'ai faites là, il est nécessaire de faire ceci. Avec la commande, je pense qu'on va augmenter la police des textes en faisant ça pour agir sur le système. Entre-temps, notre connexion réseau Wi-Fi, je ne sais pas, on va mettre ça à 36. Et 6.cls. Encore une fois, comme ça vous allez voir, comment changer la couleur vite fait et nettoyer. Et puis, avec cette commande SFC, SFC, plus loin, vous mettez un slash, SKN. Là, le problème, est-ce que il y a N ici, je ne me rappelle plus. Ceci, cette commande, lui, vous voyez ce qui est marqué là. C'est ce que cette commande vous permet de faire. Là, il va à la vérification, de l'analyse du système. La vérification est à 3% terminée. Il faut que ça soit à 100%. Là, c'est à 4%. Lui, en principe, il est censé trouver les... s'il y a des fichiers du système endommagés, lui, il va les réparer. Là, on a fait la quatrième partie déjà, mais je ne sais pas pourquoi je ne vois pas son Wi-Fi parlant. Ou peut-être, je sais que je vais faire une action sur la carte réseau. Ça n'a rien à voir avec le nettoyage. Parce que le principe, pour que je me connecte, pour que je puisse aller... télécharger les logiciels que je vous ai dit, que vous verrez tout à l'heure. Il y a un logiciel, lui, il va vous permettre de supprimer les fichiers doubles dans votre ordinateur. Les fichiers doubles aussi, ça contribue à engorger les disques durs. C'est-à-dire que c'est un fichier que vous avez. C'est un fichier que vous avez deux fois, voire même plusieurs fois, dans votre ordinateur. Là, mais pour ça, il faut que je me connecte. Je vais activer ici. Parce que je ne sais pas pourquoi. Il ne trouve pas le Wi-Fi. Il faut voir si l'autre ne trouve pas aussi, peut-être, parce que parfois ça fait... Ah ben là, c'est mieux. Vous voyez? Hop. Ici. Je me connecte. Pour voir. C'est bon. Le premier logiciel, je peux vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. C'est celui-là. Il y a la version payante et la version gratuite. Nous allons voir avec la version gratuite parce que on a dit qu'on est
dans les choses abonnez si cela vous a été utile, merci, que vous pouvez faire vous-même. Et bien sûr, si ça se complique, faites appel à un technicien. Là, je comprends pas ce... Il va falloir que je vois, parce que si je me connecte ici... Donc, c'est l'activité de ce compte-là qui va être tracée. Donc, je vais prendre, pardon. Personne 1. Ah. Je ne vois pas sentir un petit peu. Faites voir. Là, c'est à 12% du nettoyage, de l'analyse des fichiers du système. À la recherche des fichiers corrompus et pour les réparer. Ça va permettre à votre système de mieux tourner. Lui, là, il me fait le sien, ce navigateur-là. Je crois que je vais devoir le fermer. Ok. Mais ça me pose un petit peu de problème. Donc, l'application ne répond pas. Donc là, c'est pour ça. Donc, lorsque c'est comme ça, vous faites annuler ou vous faites arrêter le processus. Je peux arrêter le processus. Et là, je ferme... ceci qui, ben oui, Google Chrome ne répond pas. Soit j'attends, soit je ferme. Donc je ferme le programme. C'est ce que je voulais faire. Ça, c'est lorsque ça bug un petit peu. Hein. Vous patientez. Vous faites des petites opérations comme ça. En principe, ça devrait mieux fonctionner par la suite. Parce que là, par exemple, vous avez vu que j'avais du mal à me connecter sur la Wi-Fi. Donc j'ai dû aller ici. Activer et désactiver la 4 réseaux, donc il fait qu'il avait, parce que c'est ce qu'on vient de faire là. Ça c'est la partie réseau, ça c'est la partie réseau, mais moi je ne vais pas à la partie réseau. Ici on va, soit je lance ceci, ce navigateur là aussi qui est de Microsoft Edge, qui est de Windows. Ça, c'est un outil dans Windows. Hormis Google Chrome, ce qui a crashé là tout à l'heure. Vous avez vu, ça a bugué. Mais je vais utiliser ce navigateur là pour voir si ça va bugger toujours. Moi, je clique là-dessus, tout dépend. Je vous prie de vous abonner, merci. Ça, c'est un navigateur qui est installé par défaut avec Windows. Avant, c'était Internet Explorer. Mais là, c'est Edge qui est censé être assez, enfin, qui est performant. Donc, voilà. Lui, ça va être Bing, tout ce qui est Outlook, Windows et tout ceci. C'est bien pour lui. Maintenant, lorsque vous avez Google Chrome, c'est... c'est de Google. Ça aussi, un service externe de Windows. Bien sûr, j'ai ma machine qui, voilà, soit le modèle que j'utilise là, il faut voir le modèle, faut voir l'année que ça. Bon, là, j'ai rajouté quelques petits gigas, ce qui fait que là, je peux tourner le logiciel d'enregistrement d'écran, qui est Camtasia, vous avez vu. Et Camtasia qui est enfin un outil intéressant dans son domaine, c'est-à-dire que éditeur vidéo, faites vos montages avec, faites vos captures d'écran, vous faites plein de choses quoi. Là, je lance ça, donc c'est ce qui est drôle avec ce navigateur. Lorsque vous lancez ça, parfois, ça vous fait ceci, vous devez faire une petite configuration. On y est, donc ça c'est... Là, c'est la partie cookie. Nous utilisons des cookies facultatifs pour améliorer votre expérience sur nos sites web, par exemple, en vous permettant de vous connecter aux réseaux sociaux. Et alors là... vous pouvez accepter, vous pouvez refuser. Ça, c'est le choix des cookies. Moi, j'ai accepté parce que pour faire ce tutoriel, je suis obligé. Mais il faut lire d'abord.
comme j'en ai déjà lu un petit peu, et que de toute façon, ce navigateur-là, c'est pas un navigateur que j'utilise tout le temps, quoi. Vous devez faire souvent, hop, ok, votre navigateur a été mis à jour vers la version la plus récente de ce qui est écrit. Microsoft Edge est votre navigateur piloté par IA, une façon plus intelligente de naviguer. Une façon plus intelligente de naviguer. Donc là, je dois faire suivant. Et puis, bon, quelques petits clics par ici. Vous voyez, le petit didactique, un tuto, hein, pour vous montrer, si vous lisez. Et oh, si vous voulez en savoir plus, vous faites en savoir plus. Donc, on va laisser par défaut. Parce que sinon, le tutoriel là, il va durer trop longtemps. Vous faites suivant, suivant, vous le laissez. Là, ça, c'est le thème que vous souhaitez. Attends, ouais, attends, je peux peut-être faire un tour après. Abonnez-vous pour encourager le travail. Merci. Je vais faire suivant. 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 Et, ok. Tout ça, suivant. Lorsque vous lancez ça pour la première fois, le Microsoft. Ici, commencez à naviguer. Que si vous voulez, vous voyez les autres choses. Mais ça, c'est brièvement que je vous fais ça. Hein. Brièvement, parce que le but, c'est aller télécharger ce logiciel. Donc, je vais commencer à naviguer. Là, vous êtes ici. Avec ce thème-là, vous pouvez le changer si vous voulez. Ce truc-là, je crois qu'il fallait dans... Ouais, quand même. Pendant qu'on y est, il y a des thèmes que vous pouvez changer. Si, par exemple, là, apparence, c'est voilà, on peut mettre ça. Ok. Et à partir du moment, je peux même sortir d'ici. Bon, voilà, c'est tranquille. Là, on a, parce que maintenant, on va chercher Google, qui est le moteur de recherche. Parce que là, on est dans Bing, je crois. C'est Bing, ouais. Ici, on est chez Google. Pour aller taper le nom du logiciel qui est Wiz Duplicate Finder. Ah ouais, non mais... Duplicate. Ok. Finder. Il y a un seul D. Voilà, et si vous cliquez là-dedans, vous avez téléchargé ça sur plusieurs sites. Normalement, ça, c'est le site officiel. Ok, il suffit pas de cliquer comme un... Prends ça, c'est un autre site Quick, Microsoft sous les laps aussi, c'est dans l'App Store, c'est-à-dire que vous auriez pu avoir un compte Google et le trouver par exemple. Je peux vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. Microsoft Store. Ok. Là, vous savez qu'il vous faut un compte de chez Microsoft, Outlook, Gmail et voilà, et Live. Donc là, moi, je vais passer via ce site-là.
Mais je fais un petit clic voir. Il y a celui-là qui est HTTPS. Vous mieux regarder pour ne pas vous tromper en fait. Donc, vous pouvez, par exemple, with duplicate fender, with cleaner, envoyer le nom, c'est anglais, donc forcément, c'est un outil anglophone. Free duplicate file, cleaner, find and remove duplicate file. Photos, videos, which with duplicate fender, free up your disk space by removing duplicate. Donc ça a dit, on peut le traduire aussi. Oui, parce que là on était parti en anglais. Où est-ce qu'on peut? C'est mine de rien. De toute façon, vous allez rester avec ça comme ça. Hein. Si vous voulez le traduire, vous avez un outil aussi qui est pas mal. Pendant qu'on y est, je vous file des petits tuyaux, quoi. Vous allez vous ouvrir une nouvelle anglais. Vous tapez DeepL. Après, si vous voulez, DeepL. Ça, c'est pour la traduction en fait des langues. Et ça, c'est gratuit à un certain niveau. Parfois, Google, vous pouvez avoir du mal avec Google, quoi. Ok, parfois vous pouvez avoir du mal avec Google. Ok. Bon, ok, vous avez vu. Là, il est parti en français en principe. Un nettoyeur de fichiers double. Encore là, c'est une histoire de cookies. Mais moi, je ne vais pas accepter ni refuser. Pourquoi? Parce que je peux voir ce que je. Ok, sinon, il aurait fallu cliquer ici, là. Donc, un nettoyeur de fichiers en double gratuit. Et supprimer les fichiers photos et vidéos en double avec with duplicate fender, libérer votre espace disque en supprimant les, donc forcément les doubles. Ça c'est bon, cet outil là vous l'avez aussi en application, je crois que sur Android, sur c'était pas le but du tutoriel. Vous avez vu, vous aurez pu choisir la langue que vous voulez. Hop. Et bon, vous savez, sur la version payante aussi. Ok. Vous avez ces trois. Traduire du texte, traduire des fichiers. Ok, traduire des fichiers. Et DeepL Write. Correction IA. Donc là, c'est une version IA aussi. L'IA va vous aider si vous faites des fautes ou autre chose. Ces trois options-là. Bon, là, on a fait ça. Un fichier, ça aurait pu être un fichier, par exemple. Créer un compte gratuit. Donc ça, ça va être autre procédure qui peut être payante, quoi. On verra ça après. Parce qu'il y a des quoi voir. Nous, on va télécharger ça sur ce lien-là. C'est bien référé. Hop, lorsque vous êtes ici, vous êtes sur le site de Duplicate Finder. Ok. Free version. Update Pro. Moi, je vais rester avec la Free version. Ouais, ok. La version gratuite. Et j'ai téléchargé la version gratuite. Hop. Là-dessus, vous avez le fichier qui se télécharge. On va l'installer. Tac-tac. On va faire un scan à la recherche de fichiers doubles
pour libérer de l'espace sur mon disque dur. Vous aussi, pareil. L'autre petit logiciel, lui, ça va être côté software. Pendant que ça se télécharge, qu'est-ce qu'on fait? On télécharge les deux ou on fait un après l'autre? On peut les lancer, tout dépend. Moi, je sais que je peux le faire avec cette machine. Je peux les lancer, mais par contre, je vais avancer sur celui-là d'abord. Je vais installer celui-là, lancer le scan, puis télécharger l'autre petit logiciel. Oui, ça va être pour les fichiers virus et autres. Désinstaller un logiciel sans que vous ayez à le faire vous-même. Lui, il va s'occuper de ça pour vous. L'autre outil. Je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. Ok, là le fichier a fini de. Le logiciel a fini de se télécharger. Je peux faire en savoir plus, mais je vais aller sur le dossier. Je fais un clic là-dessus. Je peux l'ouvrir. Et moi je préfère aller voir dans le dossier où est-ce qu'il est. Parce que parfois j'ai des surprises, mais la version la plus sûre, c'est d'aller voir. Tiens, on l'a téléchargé aujourd'hui. Le setup.exe. Donc c'est le .exe. Si je fais un clic droit dessus pour voir certaines choses, certaines informations sur le logiciel. Parce que des fois, on télécharge des choses, on installe et puis c'est pas la bonne chose. Tout ça, ce sont des précautions à prendre pour que votre ordinateur ne ramasse pas des choses de bizarres. Là, bon, c'est bon, on a vu ça, on fait voir compatibilité. Tout ça, c'est des autres paramètres que moi, je ne vais pas. Abonnez si cela vous a été utile, merci. On va tout dans les détails aujourd'hui. SHA-256, ça, on ne va pas rentrer les détails. Les détails, parce que ça c'est le chiffrement. Sécurité, détail. Là, on a pas mal de choses. C'est ce que je voulais voir. La description. Description du fichier, with duplicate finder, type application, version du fichier 2.1.3.64. C'est la dernière version. Nom du produit, with duplicate finder. Version 2.1.3 et copyright, donc with the bucket withcleaner.com. Ça, c'est le développeur, le site qui est celle-là. Et la taille. Pour le moment, c'est authentique. Je peux faire OK. Et je peux, soit, je vais le lancer tant qu'administrateur, ou vous pouvez cliquer là-dessus, ça va le faire. Ça, c'est un plus. Hein. Je ne vous ai pas donné le droit d'administrer votre machine avec ce tutoriel, parce que ça peut... C'est compliqué. Vous pouvez faire double clic, ça va se lancer. Et ça va se lancer de la même façon que ça va se lancer là. Bon, OK, je peux... réduire ceci aussi en attendant les setups qui vont venir se lancer. Donc je vous prie de vous abonner, s'il vous plaît, il y aura plus de tutos de la sorte quoi sur la chaîne qui vont vous expliquer un peu dans le domaine de l'informatique, parce que là aussi vous voyez, là je dois l'installer. Vous pouvez lire, vous pouvez accepter les conditions, sinon c'est pas la peine, ça va pas s'installer. Hop, je fais installer, vous avez ceci là-bas, que ce soit vert. Ok, sinon si je me dis que je vais tout détailler là,
pas mal de choses. Donc là, exécuter. Ouais, je vais afficher le guide d'utilisateur. Vous laissez ça par défaut. Ça ne fera pas de mal. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait terminer, il va venir se lancer. Mais vu que ma machine est en mode. Puis ma connexion internet aussi est en mode de pas trop vite, pas trop vite. Donc c'est pour ça que vous voyez que ça met du temps. Mais ça va se lancer les petits setups dans pas longtemps. Lorsque c'est comme ça, conseil, ne cliquez pas, ne cliquez pas trop. Parce que chaque clic que vous faites, l'ordinateur met ça en mémoire. Et ça rend la machine beaucoup plus longue. Ok. Là, c'est mieux. Ça, c'est l'interface que vous aurez. Ce que vous aurez fait, terminé. Ici, c'est l'interface visuelle, l'interface graphique du logiciel que je ne vais pas tout détailler. Ici, bon, ça c'est des options comme ceci. En vrai, attends, je sais pourquoi ça fait ça. D'ici, je vais faire ceci. C'est bon. Il y a déjà moins de. Tiens, ça aussi. Processus, ça aussi. Parce qu'on a fini. Et donc, le site, tu peux le laisser là toujours. Là, vous devez choisir un chemin. Une clé USB. Ou bien un disque dur ou des fichiers dans votre ordinateur, des dossiers dans votre ordinateur. Vous cliquez sur le dossier là, vous avez le disque local, c'est où est tout est installé avec les fichiers, parfois qui peuvent être en double ou en triple ou en quadruple. Je vais moi faire ceci, lancer cela. Pour tout document, pour tout est installé dans ce compartiment-là pour vous, ça peut être autre chose, mais moi c'est ces deux points, c'est ça. Je fais tout, puis bon, si je peux sélectionner ici, il n'y a pas de problème. Et je fais OK. Je peux supprimer, bon, ça c'est pas pour supprimer la sélection, ni ajouter un dossier si je veux, mais je veux faire OK. Et à partir du moment. Là, je peux faire analyser. Très simple, très basique. Vous avez à attendre que le scan se termine. Ce qui peut prendre un peu de temps. Ça dépend de la taille de votre disque. D'accord. Ça, on peut dire, je vais venir. Aller télécharger l'autre petit logiciel. On a fini. Après, si vous voulez, je peux même prendre le lien du site. Et voilà, même si je veux pas me faire un petit parrainage de ce petit logiciel. C'est-à-dire qu'il va falloir télécharger ça avec le lien très simple, très basique. Pour ça, je vais déjà me créer un dossier. Un fichier par exemple va s'appeler finder, mais bon, dans un dossier que je vais faire hein, pour
d'audit un dossier. C'est bizarre. Comment j'ai commencé là pour faire un dossier? C'est ce que vous vous dites, hein? Mais vous allez voir tout à l'heure. Windows E qui va m'ouvrir l'explorateur de fichiers. Desktop. Ça, c'est dans le bureau. Et je peux venir faire un. Allez, je vais faire un nouveau dossier là. Je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. Hop. Et boum. Là-dedans, je fais un clic. Je crée un fichier texte que je vais nommer. Ok. Wiz, par exemple. Wiz. Ok. À l'intérieur du fichier, je vais venir prendre le site, le lien du site en question. Alors, CTRL-C. Et je vais. Sinon, ça va être trop compliqué. Là, c'est le lien du site que je dois aller vous poster en commentaire dans la description si vous voulez télécharger le petit logiciel. Ok. Et si je veux, je peux fermer ceci. Mais avant tout, je dois enregistrer déjà parce que c'est là, c'est vrai, mais c'est pas enregistré. Là, c'est enregistré. L'autre petit logiciel, je peux même rester ici. Donc, plus simple, je fais Google. Et puis on l'a directement ici. C'est clean. Bon, ça traîne partout sur le web. Plein d'autres choses. Mais moi, je vais aller à celui-là. Parce que c'est Cleaner, vous connaissez. Il y a un petit version. TW Cleaner. TW Cleaner. Moi, je vous amène des petits outils qui sont assez intéressants. Ça. Je peux entrer. Moi, c'est le logo, c'était ça, le scarabée. Et c'est cleaner, c'est ça. Ça agit côté logiciel. Et ça aussi, ça agit côté logiciel malware. Plein de choses. Donc, nous, on va dire. TW Cleaner. Bon, j'ai oublié le A. C'est pas grave, mais vous avez vu qu'il me l'a trouvé. ADW Cleaner est un logiciel gratuit qui permet de détecter et à nettoyer des logiciels installés comme les programmes publicitaires. Bon, là, c'est un peu avancé. Dans le nettoyage, pour ça, on est à 59 de la vérification des fichiers du système. Ça, c'est ce qu'on a lancé le début. Ok. Lui, on aurait pu installer les deux. Mais, au fur et à mesure, je vous ferai des tutos parce que je ne peux pas tout vous expliquer dans ça. Dans ce tutoriel, simplement. Ici, c'est la version 2024. Je clique là-dessus. Maintenant, c'est Malwarebytes qui atteint ce qui est Malwarebytes. Malwarebytes qui a racheté ce programme. Et là,
C'est des cookies, hein. Attention. Les cookies. Je fais un clic dessus, voir. Parce qu'on a la chance. Cette histoire de cookies là, il faut pas les accepter n'importe comment. Toujours actif. Cookie fonctionnalité, cookie performance, cookie pour publicité, ciblée. Enfin, si vous mettez ça, là c'est grisé, c'est bien par défaut. Ça c'est un bon cookie. Vous pouvez tout refuser. Parfois il y a des sites, il faut les cookies. Bon, cookie. Tiens, pendant qu'on y est, on fait le tutoriel cookie. Cookie comme gâteau. J'ai dû entendre qu'il y avait. Oh, comment ça s'écrit? Non, il y avait. Ah. C'est ça, hein? Non, c'est pas ça, on va là. Ouais. On va ouvrir pour cookie quand même. C'est pas quelque chose. Bon, cookie sans S, ça va faire aussi. Hop. En principe, la version de la chose que vous connaissez, c'est gâteau. Il est gâteau. Gâteau. Mais cookie informatique. Ok. Ah. C'est. Attends, est-ce qu'il n'y a pas un S? Parce que moi, c'est pas. Un cookie, un petit fichier, c'est tout qui va. Voilà. Un cookie appelé aussi témoin de connexion ou témoin est d'un petit quantité de données. Échanger entre un serveur HTTP et un client HTTP et qui permet de créer une session avec Italo. Abonnez si cela vous a été utile. Merci. Je dévoile des informations intéressantes dans le domaine de l'informatique parce que il y a déjà un tutoriel sur les cookies dans la chaîne, allez voir, faire un tour. Et sur Wikipédia, si vous allez, vous allez faire un tour, vous allez avoir des informations sur les cookies. Moi, je vous fais un tutoriel pour vous détailler ça. On est repassé à notre logiciel qui scannait. Et bon, c'est bon, il a fini. Tiens, je finis ça pour qu'on va reprendre le téléchargement de ADW Kinder. Hein. Là, j'avais tous ces fichiers-là qui sont en double. Ici, vous avez le segment là. Là, ce sont des fichiers qui sont identiques, qui ont le même nom en tout cas. Dans les data, on va voir si c'est ça. Vous avez la date, la taille que ça occupe sur le disque. Bon, là, ça va. Ce sont des fichiers vides. Parfois, vous faites ça pour la première fois. Vous pouvez avoir des gigas. Et c'est très long. Et la taille. Là, on a commencé à avoir des données. Tout ça, ce sont des fichiers doubles qui contiennent des données. Donc, ça peut être des MO, MB, gigas. Tiens, on a des gigas aussi. On a dit KB, kilobit. Ouais, non, mais bon, il y a des tailles. Hein. Ok.
pays, c'est... Tiens encore. Ben, là, il y a Giga. J'ai vu, là, c'est intéressant. J'ai déjà ce fichier-là qui contient 1 giga 6 en double. Là, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne. J'ai trois fichiers encore en double. Vous voyez? J'ai vu la date que ça a été fait. Tout ça, c'est l'espace que ça récupère sur le disque dur. Je le sélectionne, en fait, je coche. Lorsqu'il y a 3, je laisse 1, je laisse toujours 1. Si vous voulez tout supprimer, vous supprimez les tout, hein, si vous connaissez. Là, regardez tout ça, là. MB. Ça, en double plusieurs fois. Ah, ok, non. Je vais pas. J'ai fait une autre façon. Et oui, il m'a averti que j'ai tout sélectionné dans cette partie rouge. Comme je vous ai dit, il faut laisser au moins un. Si vous avez beaucoup, vous êtes sûr, vous pouvez laisser. Ça, il me dit. Il est recommandé de laisser au moins un. Donc, on va laisser tout cela. En laissant, oui, c'est bon, j'ai compris. C'est une histoire de logique aussi, les gens. Ça, je laisse ça. Ça, je laisse ça. Et ça, je laisse ça. Ça, je laisse. Ok. La logique est respectée. Et là encore, vous répétez la même logique. Oh, je laisse toujours cela. Là, il y en a plus de. Si vous voulez, vous pouvez laisser deux. Lorsque par exemple, là, il y a quatre. Il y a quadruple en fait. Le fichier est sur l'ordinateur quatre fois. Ça récupère de la place. Ce petit logiciel, oui, c'est Duplicate Finder. Lorsque vous sélectionnez un après l'autre comme ça, vous voyez la taille. Vous faites un après l'autre. Lorsque vous faites ça pour la première fois, vous augmentez au fur et à mesure. Ok. Hop. Tout ça, c'est des fichiers qui sont en plusieurs fois. Ok. Ouais, ok. On est où? On est là. Quand même. Hein. Tout ça. Si vous voulez, vous pouvez même ouvrir avant de voir ce que c'est. Mais moi, comme je sais que c'est des choses enregistrement et tout, et que j'ai déjà les fichiers en format. MP4. Ça va m'aider. Ok? Donc, vous, si vous avez plus beaucoup de. On va s'arrêter au moins à ce niveau-là. À 100. Parce que pour le tutoriel, je vais pas tout faire, c'est juste pour vous montrer. Et que moi, hop, je fais la même erreur à chaque fois. Parce qu'il y a beaucoup, heureusement, de toute façon, il vous dit que vous ne pouvez pas tout supprimer. Il faut au moins laisser, comme je vous ai dit, il faut laisser au moins un.
Vous pouvez laisser deux, mais tout dépend de vous. Là, on est à quel niveau là? Voilà, on a dit qu'on était à... Là, on est à 116. Hop, oh non, c'était... Il n'y a pas 100 en fait. Il n'y a pas 100 tout rond. Mais si, il y a 100 là. Mais c'est pas trop bon, ok. Là... Je peux vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît, parce que... Mine de rien. On peut s'arrêter là. Et une fois tout ça est sélectionné, vous pouvez faire supprimer. Ok, et vous aurez une demande de confirmation. Oui. Vous attendez. Et là, ce petit logiciel vous supprime les doublures, en fait. Donc, voilà. Ça, veut dire qu'on a supprimé une partie. Si on actualise ces petits logiciels-là. Ok. Je peux fermer, bon, on a vu sur le cookie que vous pouvez faire un tour. Ok. Je vais pas en profiter aussi pour ça. Il est recommandé, ok. Tac, ok. Ça, quand même, c'est important, c'est l'histoire des maths, là. Ok, vous avez les informations sur le fichier. Vous les supprimez. Donc ça, vous avez vu ce que j'ai fait avec Wiz Duplicate Finder. Là, maintenant, on passe à ceci, là. On peut télécharger gratuit. Au final, je vais voir le... Bon, ça, c'est terminé. Tiens, on va voir les résultats de ça après. Ça, bon. Vous avez ceci qui s'est lancé. Téléchargement. Hop. Par contre, est-ce que vous voyez ça? C'est un fichier endommagé. Là, par contre, je dois faire un tour sans en savoir plus. Soit je peux le supprimer. Oh, quand même. Je vais là-dessus. Je vais m'en rassurer. L'originalité de ce logiciel-là. Avant de l'ouvrir. Ouais, tu vois. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est ça que j'avais téléchargé. Donc, j'ai bien fait de ne pas. C'est un logiciel qui n'est pas confirmé, c'est une sécurité. J'ai bien fait de ne pas. Là, maintenant, si je veux. Je dois savoir ce que c'est. Donc je ne vais pas l'installer comme ça. Je vais faire ça sur notre site. Ouais. Ici. Votre téléchargement devrait avoir démarré automatiquement si ce n'est pas le cas cliqué ici. Je fais un test ici.
C'est le même fichier. Là, c'est pas le même fichier, là c'est correct. Là c'est ça qui n'est pas confirmé. Et là, je vais l'ouvrir. C'est ça que j'ai téléchargé. Je vais voir l'originalité de ce fichier. Propriété, avant d'installer. Là, vous apprend pas mal de choses avec moi. Langue anglaise États-Unis, ok. Copyright. Malwarebit, ça c'est la bonne chose. Ouais, j'espère que vous avez suivi. Ça c'était pas bon. Là, je peux supprimer ça. Boum, supprimer parce que c'était pas confirmé. Et à présent, je peux venir installer ça. Soit ouvrir dans le dossier ou faire directement ouvrir. Cliquez ici. Ok, non, moi je vais faire comme j'ai fait là d'habitude. Pour que vous ayez les bonnes méthodes. Parce que s'il n'y avait pas de bonnes méthodes, j'allais installer quelque chose sur l'ordinateur qui n'est pas correct. Je vais là-dessus, j'ai fait, j'ai lancé tant que ceci. Bon, aussi, je vous donne pas le droit d'administrer votre machine vous-même, mais moi j'ai juste lancé l'outil comme ça. Ça aussi, je peux prendre le lien. Pour voir si je peux pas vous le placer ok bon et puis de toute façon je vais changer pour liste d'écriture parce que sinon vous allez rien comprendre format police. Allez, pinaise. Ok. Hop. Voilà, c'était ça. Consolas. C'était ça par défaut. Et là, vous voyez mieux. Mais... je dois aussi réduire la taille à 24. Là, c'est encore mieux. Et si je le mets un peu plus à 20, là, c'est encore mieux. Et ici, c'était with create and deux. Et si je veux, je peux faire un petit jazz ici qui n'a pas bien pris, mais oh. Voilà. Et voilà. Ça, c'est des liens-là. Je vais voir ce que je peux faire avec. Pour vous épingler ça, ok, si vous souhaitez utiliser les outils. Donc, une fois que c'est fait ça, eh bien, vous devez installer ça comme l'autre. Option avancée, savoir. Mais par défaut, on a pris la version gratuite. Particulier, par entreprise. Entreprise, ça peut être compliqué vite fait. Une nouvelle pour le moment. Guard. Moi, je vais. Je serai génial pour le moment. Ça, je vais utiliser. Voir. Je vais tester ça. Là, je fais installation. Ça, c'est moi qui ai fait, mais vous aurez pu faire. Bon, ça, c'est un petit plaisir à moi. Word, c'est un navigateur. Et on va voir les résultats pour ça. Là. Pour ça, c'est bon. La protection des ressources.
la protection des ressources Windows. Donc là, vous avez démarré. Bon, là, la vérification est terminée. Et là aussi, je vais devoir réduire la taille pour que vous puissiez voir. Ça, c'est le résultat que ça a mis. La protection des ressources a détecté des fichiers corrompus et les a réparés. Ça, c'est fait déjà pour la réparation en ligne. Les détails sont inclus dans le fichier journal. Ok, les détails sont inclus dans le fichier journal CBS situé à l'emplacement suivant. Là, par contre, j'ai un petit problème. Pourquoi? Parce que je vois pas tout. Si, c'est là. Windir logs/tbs. Et j'avais une technique pour aller directement là-dedans. D'accord? Pour ça, je vais dans l'explorateur des fichiers. Ok? Et je me place ici. Puis je vois quelque chose rapidement. Je me déplace là-dedans. Ok? Et là, je vais remettre le format police parce que je vous ai fait un script là. En mine de rien. Que je mette colasse. Que c'est là, consolasse. Hop. Là, c'est le fichier en question et le résultat. Ok, CPS, pour ça, pour là. Et la taille. On met ça à 20. Ou on met ça à 16. Parce que là, on est dans du texte brut. Avec l'éditeur du texte. Par défaut, bloc-notes de Windows. C'est du texte brut. Donc, lisible. Hein? Mais pour détailler tout ça, ça va être après. C'est bon, là je peux faire un exit ici pour sortir. Hop, une erreur. Je peux dire hop. Ok, donc ça, c'est quoi ça? Une erreur s'est produite lors du téléchargement. Je vérifie la connexion internet. Ok. C'est bon, je suis connecté. Hein. Résoudre les problèmes d'installation. On attend un petit peu. Bon, en principe, c'est pas si compliqué que ça. Hein. C'est que lorsque vous lisez, vous lisez, là, c'est une erreur qui a été faite. Bon, là, je vais voir ce que c'est. Tout ça, c'est la partie 5 du nettoyage de votre ordinateur. Là, mais je vous assure que cela va bien se passer. Pourquoi? Parce que hop. Donc là, j'ai lié un peu. Lens
et chatbox, après Salamic, là on va ensemble. On peut mettre ça en français. Comme c'est ce qui est intéressant, vous pouvez lire ça en français. Donc tout ça, c'est bon. Maintenant, je suis en mesure de faire OK pour ça. Qui me l'a injecté? OK. On peut fermer ceci. On fait un tour dans... Parce que là, lorsque ça fait ça, c'est pas grave du tout. Tiens, on va pas le lancer tant qu'administrateur. Pour vous, vous devez le lancer comme ça. C'est peut-être Quad que j'ai fait particulier. Je vais pas lancer Quad, je vais faire ignorer pour le moment. Je vais m'assurer que ma connexion internet est établie. Parce que lui, il bouffe de la connexion internet, c'est pour ça. Et là, c'est une connexion internet. Voilà, sinon je vais mettre fin à cette partie-là. Je vous ferai la partie ADW Client après. OK.